Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 268 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu que tout le monde connaît qui s'appelle Lucius. Enfin, que tout le monde connaît. Ça dépend si on le connaît. Et il s'appelle Lucius. Et donc c'est un jeu, je crois que c'est à la première personne ou à la troisième, où le but est de tuer des gens incognito, il me semble. J'y ai jamais joué encore, je l'avais même jamais démarré. Donc du coup on va voir ça ensemble. En tout cas, il y a une petite introduction. Fort joli d'ailleurs. Paye le nom de la porte, quoi, 666. Ok, on est dans une maternité, il y a quelqu'un qui est en train d'accoucher, un autre qui est en train de jeter un sort. On se croirait dans un film, elle est trop bien faite la cinématique. Ouais, trop bien. Le corbeau là qui s'enflamme et tout. Classe. Alors du coup, je sais pas du tout s'il joue que au clavier, à la manette, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a ma vieille souris en plein milieu. Alors pour l'instant je peux jouer avec la manette, pour l'instant Sylvanus c'est moi. Bravo, bravo, l'a reconnu Steam, bravo. Putain, 2012 le jeu. Alors Create, profil, option, qu'est-ce que j'ai? Oui je suis en high, V-Sync, oui heureusement. Enable Soon, oui, Soon, invert souris, non, mousse sensitive, langage. Ouh, langage. Est-ce que j'ai du français s'il vous plaît? Ah bah oui, eh bah oui. Eh bah oui, mais voilà qui est beaucoup mieux. Et bah c'est parti pour un nouveau jeu. Et on va voir ça. Tu peux utiliser l'effacement de mémoire si quelqu'un t'a repéré. Certains pour lui faire oublier. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est ce qu'on m'en avait dit en tout cas. C'est un jeu où il faut tuer des gens. On est un enfant, il faut tuer des gens de plein de manières différentes. Et faut pas se faire repérer aussi, c'est mieux, hein, c'est mieux. Ouais, c'est un peu le principe, quoi. Sinon, c'est pas drôle. Alors, ça charge, je sais pas ce que ça charge, mais ça charge. J'ai un peu du mal à dire ça charge, vous avez remarqué, hein. Ça charge. Cela est en cours de chargement. Voilà. 6 juin. Oh putain, c'est un français, oui, froid comme l'enfer. 1972. Donc il n'y avait pas trop vite fait la télé quand même. C'était une vieille télé. Mouse 2. Merde. J'ai vraiment appuyé sur Mouse 2. Merde. C'était mon... J'aurais pas dû, ça a passé la cinématique. Plus tard dans la soirée. Ouh la vieille. Donc j'ai raté un morceau cinématique, mais bon, tant pis. Hein. Avec qui jouer, vous verrez. Même moi je l'ai raté, c'est parce que... Oh. Mais dis donc, t'es pas mignon toi, dis donc. Avec ta coupe de cheveux en V là. Enfin tu me diras, je peux pas me moquer de ses cheveux. Ouais. Oui, il m'en manque pas du tout. Pourquoi c'est tout rouge? Pourquoi il a une tête de joker le monsieur? T'as une tête de joker, regarde-moi ce sourire que t'as. Énorme blague. Waouh le mec! Il s'est pris pour un Jedi.
Il est presque comme 2 ans. Merde, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Ok, donc la souris, vous oubliez. Hop, la manette, vous oubliez, en tout cas. Introduction. Indicateur de détection, niveau actuel de compétence. Niveau de pouvoir actuel. D'accord, donc il est en train de nous expliquer l'interface. Utilise sa souris et ZQSD pour de... Oh oui, c'est du ZQSD français, oui! Oh putain, là je suis content, là je suis content. Prends le cadenas sur la table en appuyant sur mouse 1. Prends relâche des objets en appuyant sur mouse 2. Mais il est où mon cadenas? Ok. Admettons, admettons. Bon, déjà, il peut pas courir, le gamin. Ah, si, c'est bon. YOLO, je cours. Ah, ça, c'était simple, hein. Ça, c'est simple. Voilà. Tu tues la première fois. Et je sais pas s'il y avait d'autres manières de la tuer pour la première fois. Yo, tu vas congeler la vieille! Le jeu où tu tues des gens. Donc là, je pense que voilà, hein. Elle est en train de se dire: oh le fils de pute! Oh le fils de mère! Sortez-moi de là, au secours! Là-haut! J'ai pas suspect du tout la porte qui est fermée avec un cadenas de l'autre côté. Hein. Le mec est tranquille, posé. Mais je sais pas s'il y a assez de gens dans la baraque pour que le jeu dure assez longtemps. Oh, t'as des yeux de ouf. Oh putain. Coucou. Ouh, le temps passe vite quand on s'amuse. Elle, bon bah voilà. Hein. Voilà. Elle est congelée. On pourrait la mettre dans un apéro. Énorme blague! Bon. Allez! Oh mon dieu, le détail des doigts. On dirait des doigts d'éléphant. If I put the pieces together, this all started years back with the arrival of a new life. Alors si je m'en bats les couilles de la cinématique, je fais quoi? Dante Manor was a place filled. Je pourrais faire, voilà. Cinématique, voilà. Ah, pas le choix. Ouais. I tried to help. I should not have become so involved. Je sais pas ce qu'il dit, parce qu'en plus on avait dit qu'on voulait du français. Du coup, je peux pas passer, donc bon, tant pis. Là, ça a l'air d'un tableau d'enquêteur. Genre, mais comment ils ont pu mourir, les gens? Il y a un cadenas, il doit y avoir des empreintes dessus. Quoi que tu me diras, en 1970, on savait pas ce que c'était que des empreintes. Mais, des empreintes dessus. Il n'y a pas grand monde d'autre dans la maison que le gamin, quoi. Et puis s'ils l'ont en photo, et ben il faut qu'ils l'enferment. Et puis voilà, il n'y aura plus de meurtre. Pour l'instant, nous sommes Lucius. Nous sommes des tueurs tueurs en série. Et c'est là que j'aimerais bien jouer. Tu peux... Ok. Pas eu le temps de charger. Tu peux combiner des trucs. Il y a le feu. Te voilà avec moi, face à face. Oui, mais c'est le diable, non?
Tu sais qui je suis, n'est-ce pas? Non, bah non, t'es un inconnu, t'es dans ma chambre, il y a du feu partout. Bon, j'ai venu te parler de ton destin, chacun une de tes offrandes... Ah merde, te rendra plus fort et puissant. Et plus puissant. Il y a des piles. Ok, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Pour l'instant, je récupère des objets un peu partout. C'est quoi que j'ai dans la main? Ok, allez, sortons de là. Je peux pas sortir. Inventaire en appuyant sur E. Excellent, prends le carnet en appuyant sur mouse 2. Et les piles sur la table et ouvre ton inventaire. Quel garçon intelligent. Ah d'accord, mais en fait j'avais déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Place les piles dans la dent en appuyant sur mouse 2. Sur les piles, appuyant sur mouse 2. Combiné. Ok, j'ai une lampe qui fait de la lumière. Il faudrait que personne ne te surprenne. Bah oui, évidemment, ce serait dommage d'aller en prison. Tu as laissé le cadenas sur la porte du congélateur. Va chercher le cadenas, ensuite cache-le quelque part où personne ne pourra le trouver, sinon tu seras découvert. C'est verrouillé. Go now, get the padlock before the adults wake up. Oui, mais c'est verrouillé. Ok. Ok, ça charge, mais c'est verrouillé, donc je peux pas sortir. Appuie et maintiens space pour passer, sauf que j'ai pas envie. Donc c'est plus verrouillé. On va aller chercher le cadenas. Elle est où la cuisine? Elle est où la cuisine? C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. C'est pas là. Bah elle est où la cuisine, bordel de merde? C'est ça? Non, c'est un placard. C'est là d'où je viens, ça? Comment je fais? Accéder à la carte en appuyant sur machin. Alors la cuisine elle est où? WC. Oh putain, où c'est que je suis? Là. Et je dois aller. Ah mais il y a un truc là. Eh oui, il y a une porte ici. Alors la cuisine elle est en bas. Alors, où c'est que je dois aller? Je dois aller ici, enlever le cadenas. Appuie sur A. Est-ce que je peux ouvrir du coup? Alors,
Lucifer, Marie. Ça pourrait être utile. Marie était morte, blablabla. Fermé. Télékinésie. Ok, donc j'ai appris la télékinésie, je sais pas trop comment j'ai fait. Ah oui, donc il y a vraiment une enquête et tout, il y a vraiment genre la police et tout. Ils vont vraiment chercher qui a tué la vieille. Qu'avons-nous là? MacGuffin. Il a un nom de sandwich chez McDo, le mec. MacGuffin. She was in her mid-50s. Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. The kitchen. It's in the kitchen. Brian. It says Brian. How can something like this happen, detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, detective. We'll try our best. Ok, tout va bien. Tout va bien. Mais je sais pas qui c'est qu'on va pour tuer d'autres. C'est un peu... 12 juillet 1972. Fumez-tu. Ok. Genre le gamin c'est un psychopathe en puissance mais voilà, mais de temps en temps, pas tout le temps. Pour l'instant c'est pas très compliqué. Il me semble qu'on peut dévier de l'histoire originelle. On peut tuer d'autres manières que celles qui nous indiquent. Hi Jean, thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year. It's a private matter, and an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Jean. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair. S'il y a besoin de quelque chose. Hein. Take all the time you need. Ah, bla bla bla. Ouais, je vais passer. Je vais passer parce que du coup, ça sert à rien. On va faire traîner la vidéo pour rien. Mise à jour du carnet, appuie sur A. Le collègue, il vient me voir pour parler d'affaires. Je déteste quand il fume dans la salle à manger, ça me donne mal à la tête. Ok. Alors, est-ce que je peux récupérer d'autres trucs? Genre ça. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à l'heure actuelle? Cette vieille culotte quoi. Allez, on va voir ce qu'on peut faire. Indicateur de détection. Ok, donc là il me dit que je peux me faire détecter. Et par contre je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Quelle est la meilleure solution pour tuer un gars quoi? Sachant que je sais pas trop où je dois aller. Bah pas là déjà. Je vais laisser tomber ce chandelier. Ok, donc on remonte là-bas.
Hop, c'est parti. On me dit d'aller là, donc je vais aller là. Je suis bête et discipliné, voyez-vous ? Alors, est-ce que ça va m'indiquer la meilleure façon dont il faut que je le tue ? Well, there you are, Lucius. Let me look at you. I believe you've grown since I last saw you. How are your lessons going? Repéré, partie terminée. Merde! Merde! Je me suis fait repérer. Je pensais que ça allait être simple. Ok, cette fois-ci, on repasse. Ok, allez, c'est reparti. Donc cette fois-ci, je crois qu'il faut pas que je me fasse avoir. Alors, c'est par là. Si on va vite, on se refait pas repérer. C'est bon. Ok, ok. Well, there you are, Lucius. Let me look at you. I believe you've grown since I last saw you. Nouvel objet dans mon inventaire. Have you seen my matches? Quelqu'un peut te voir. Quelqu'un m'a vu. Mais je suis censé faire comment? Je suis censé faire comment? C'est quoi ce truc? J'essaie de comprendre en fait. Lucius. Alors. Lucius. Attendez, parce que je suis pas bête non plus. Hein. Voilà, Lucius, meurtre. Cigarette. Alors. Hi, Jean. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election. Alors, juste pour savoir à peu près. It's a private matter and an unfortunate accident. The press will keep out. Salle à manger, on a creusé, il y aura le concierge en train de réparer une lampe. À côté de lui se trouve un tournevis qui vous sera utile. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Salon pour rencontrer votre cible. La raison pour laquelle je soutiens moi. J'allais dans la cuisine. Ok. Donc c'est juste ça en fait. Mais comment. Enfin, c'est, la question c'est savoir comment on peut le deviner quoi. Il faut trouver soi-même comment. Enfin, trouver la. Donc en gros, faut que je récupère ça. Je récupère ça. Je vais ici. Je lui démonte le cul à la gazinière. Par contre, je sais pas comment je fais pour ne pas être repéré. Parce qu'elle, elle est là.
D'ailleurs, là est le problème. Try not to bother your father today, dear. Jean is here and they have business to take care of. Ok, donc là voilà, il y a le mec. Mais du coup, je sais pas trop. Ah, tu veux mes allumettes? Et donc le but c'est que... Non, moi je les ai pas vues tes allumettes. Non, je les ai pas vues. Il faut quand même y aller quand même pour trouver qu'il fallait choper le tournevis à côté de l'autre. Regardez-le, il va crever. Il va crever. Ah, voilà. Tu vas mourir, 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 tu vas mourir. Ah, le gamin qui regarde derrière. Ah, il fait flipper, il fait encore plus flipper que le mec qui meurt. Double murder. Ouh, je suis méchant. Par contre, faut que je me casse, non? Ah non. Donc lui, il revient, tranquille. What can I say, Mr. Wagner? This is a real unfortunate series of events. Quite uncanny. Jean was my campaign manager and a friend of the family for many years. We lost without him. I know this must be a difficult time for you, but we really must do an investigation here. I'll need to speak to your handyman about the gas leak. This shouldn't have happened. Cela n'aurait pas dû arriver. Bah ouais. I had a feeling there was something weird going on. Il se détend se passer. I couldn't quite yet put the pieces together, so I took a step back from it. Let it brew. Et c'est reparti pour le troisième, par contre on va s'arrêter là, on a compris un peu le principe. Par contre, je pense qu'il doit y avoir, plusieurs morts différentes, parce que là... Bon là du coup il y a juste ça, mais... Je trouve ça dommage, enfin... Comment j'aurais pu deviner qu'il fallait faire tout ça, quoi. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes sadique et que vous aimez bien tuer les gens. Enfin, en tout cas, leur faire mal, leur brûler le visage, mettre dans le congélo. Je déconne, faut pas le faire, c'est pas bien. Mais donc, je vous laisse pour cet épisode-là. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à aimer, à ne pas aimer, à commenter, à partager, à vous abonner, faire plein de choses. Vous pouvez aussi me retrouver, il y a une page Facebook, je l'avais jamais dit, mais il y a une page Facebook Stage 1, il suffit de la chercher. Je mettrai sûrement dans la description, ou en tout cas dans la description de la chaîne, ça doit y être. Donc faites comme vous le sentez. Apparemment on a aussi des compétences de télékinésie, donc ça peut être vachement utile. Voilà, je viens juste de voir ça. Donc il y a plein de choses à découvrir, mais voilà, on a compris le principe du jeu. À bientôt pour une prochaine vidéo, salut.